Et oui, aujourd'hui on part dans Unity, découverte de notre titre qui est consacré à la découverte. Ok, je la referai pas. On va voir ce jeu que je connais pas du tout, qui apparemment promet une belle exploration. Par contre, j'ai un doute. Une exploration, pourquoi? Qu'est-ce qui va nous motiver pour aller voir plus loin dans ce jeu? On va tenter de répondre ensemble avec cette preview de ExoOne. On est tous très heureux de découvrir que Françoise a sa planète. Je pouvais pas m'en empêcher, je suis désolé. Non, je suis pas désolé en fait. Donc je suis une bille. Alors je teste le jump, mais... Le truc étant qu'on va tout droit pour l'instant. Donc c'est assez rigolo, le jeu vous invite à explorer, mais... En ligne droite, hein. Pas déconner non plus. Attention, il y a un obstacle. Quelque chose arrive. Ton release, hein. Il y a déjà un problème dans les commandes, j'ai l'impression. Ah, ça y est, je peux me balader un peu. Ah, ok, la gravité joue contre moi. Je peux pas aller où je veux. Ok, deck. Donc, le saut va pouvoir me permettre de me sortir d'impasse. Dans lesquels j'aurai le talent d'aller me glisser. Et on va aller là-bas, je sais pas pourquoi, mais... That's just the way it is, comme dit le chanteur. Eh, c'est le jeu veut pas. Le jeu il me fait... Non. Mais non. Alors, si on relâche, en fait, le truc c'est un 4x4. Hein. Il va de partout. Ils sont fous. Et la maîtrise. Hein. Ça y est, je suis une chose qui vole. Et je vais me vautrer la gueule dans pas longtemps. Donc en fait, la touche A vous sert juste à être attiré par la gravité, et donc l'endroit le plus bas de la zone dans laquelle vous vous trouvez, tout simplement. Pour traduire ça mot à mot et correctement, et il y a un petit jump pour faire un effet. Et il y a un petit je peux voler, mais ça dure pas longtemps. Alors c'est bizarre qu'ils aient lâché la démo sans la moindre musique, alors qu'il y avait une jolie musique sur l'intro du jeu. Ah, raté.
Ouh, fait pas très beau ici, les gars. On va glider, oui. Je vais pas glider longtemps, je crois. Ça va, non, non, ça va bien se passer. Presque. Suis la lumière. Ça, c'est le bon vieux principe dans tous les jeux. Tu veux pas avoir un utilisateur paumé? Achète un spot. Oui, 7,80€ dans ton magasin de bricolage favori. Yeah! Tant de chiens ou c'est moi? Alors on peut glider par à coup, ça c'est bien. Donc on peut utiliser la technique de la chauve-souris. Ce qui est un très très mauvais exemple hein, d'ailleurs. Attention les cosmonautes. Alors je m'en fous, j'en profite que je suis en l'air là. Look! What's in the bird? Alors pour l'instant c'est super étrange hein, parce que on sait pas trop ce qu'on fout là. On sait pas trop pourquoi on va vers la lumière, à part que c'est une faiblesse humaine. Et le jeu on dit pas plus. Il a pas envie. Il est là, il fait. Non, 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 tu vas te débrouiller toi même. Ouh, ça sent le gadin. Je glide hein, tant que je peux lire. Oui, parce que ça me paraît bien long comme mise en bouche. Bon, et petit à petit, en fait, c'est bien que l'intro soit longue. Vous savez pourquoi? Parce qu'on découvre l'intérêt d'utiliser la touche qui fait profiter de la gravité. Oui, elle sert à prendre de l'élan dans la descente, par exemple là. Et je relâche, et hop, je saute plus haut. Ah, logique. Et je glide. Of course. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter ça? Ça a l'air sympa. Non? Ça vous dit pas? Ah, vous aimez les petites lumières vives surtout, hein, c'est ça? Moi j'ai envie de visiter ça. Je vais faire mon chiant. Si c'est posé là, il y a une raison. Me fais pas faire demi-tour le jeu. Sinon ça va barder. Alors, je me demande comme vous l'histoire qu'on peut raconter avec le voyage d'une bille lumineuse. Ça, on est dans le même camp, les gars. N'ayez aucun doute. Je ne sais pas où on va, où on fout les pieds. Cette texture aurait mérité d'être travaillée parce qu'elle est vraiment à vomir. Mais peut-être qu'il n'y a que des idiots qui pensent à monter ici, je sais pas. C'est où, les gars? Je vais arriver là. Et maintenant, on va se faire le Yarra. Allez, le Yarra ultime, c'est parti. On va se faire le jump, quoi. Si tant est qu'il y a un bout. Je moufte pas parce que voilà. Vous avez compris maintenant? Toujours pas. Eh ben bienvenue. Hein. On va passer dans les tuyaux comme on dit. Oh. C'est SSX mon moins. Oh putain, je me suis scratched. Votre langage, jeune homme, votre langage. Oui, je sais. C'était affreux. On va remonter, faire le tuyau. Allez. Courage, adversité, abnégation. Et seconde tentative. Pourquoi? Vous le savez tout autant que moi, je n'en sais rien.
C'est le jeu où on n'en sait rien, et du coup c'est vachement pratique comme prétexte. Sauter, c'est où déjà? Oui, c'est celle-là. Elle est où mon entrée? Where is my entrance? Please. Yes. N'oublie pas de jumper une fois là-haut. Et voilà. Je suis pris dans les courants. Et cette fois, je vais la voir, ce truc. Je vous le dis en vérité. Regardez. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas. On va où maintenant? On suit le rayon, on suit le rayon. Alors, que veut ce jeu? À quoi sert-il? Où est-on? Pourquoi je suis une bille? Et pourquoi je suis à la poursuite de ce rayon? Autant de questions dont vous n'aurez jamais la réponse si vous ne mettez pas le nez vous-même dans ce jeu, je vous le garantis. Pour l'instant, moi, je rigole un peu. Ça s'entend, non? Et je suis le truc, je... Est-ce que je m'ennuie? Alors, on va commencer à parler des choses fâcheuses. C'est plus moi qui joue, arrêtez. Arrêtez tout. Et du coup, voilà ce qu'est le jeu. C'est un simulateur de billes. On est une bille qui part à l'aventure sur un terrain avec plein d'obstacles. Je suis comme vous, je me pose énormément la question principale, c'est quel intérêt? Oui, 2001. Ah, je vais me réveiller dans une salle tout aménagée déjà. Et du coup, Exo One, oui, ça peut être charmant visuellement. Ça peut être intéressant sur la façon de rouler sa bille, mais s'il n'y a pas un intérêt derrière, les gars. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur Exo One en essayant la démo si elle est encore disponible. Moi, je m'en vais tout dubitatif et je vous laisse avec les deux playlists habituelles et le bouton d'abo. A plus, ciao.